Un an seulement après son départ de l'émission de Cyril Hanouna, Mathieu Delormeau fait son retour autour de la table de Touche pas à mon poste. Le joli blond de 47 ans a donc fait sa rentrée lundi 30 août aux côtés de ses collègues, mais l'animateur télé, très engagé dans le débat sur le pass sanitaire, a eu la mauvaise surprise de voir une femme le prendre pour cible après ses propos tenus en plateau. Dans le Bifort de TPMP, mardi 31 août, il a expliqué, ça va bien. J'ai fait un départ un peu fort hier. Il avait martelé son soutien au pass sanitaire et à la campagne de vaccination, scène prenant notamment à un autre chroniqueur, Fabrice Divisio. Quoi, vous avez peur d'être parti trop vite? Lui demande alors Cyril Hanouna. Bah, si est-il un peu mon défaut, avoue celui qui présentait tellement vrai sur la chaîne Énergie 12. En quittant l'émission hier, il y avait une fille hystérique qui m'attendait sur ma voiture, pour me parler des vaccins. Elle m'a sauté dessus. J'ai eu une soirée difficile. Une nouvelle preuve que le débat autour du pass sanitaire, devant permettre à ceux étant vaccinés ou simplement testés négatifs au Covid-19 d'accéder aux restaurants, cinémas ou parfois centres commerciaux, est devenu très crispant.